soit le domaine délimité par la courbe représentative cg de la fonction g et l'axe des abscisses sur l'intervalle Pour calculer une valeur approchée de l'aire de ce domaine, on a utilisé la méthode des rectangles avec des rectangles à droite et trois subdivisions non identiques. Quelle valeur approchée de l'aire du domaine a-t-on obtenue Alors on nous donne ici un tableau de valeurs. Et comme d'habitude, je t'engage à mettre la vidéo sur pause et à essayer de répondre tout seul à cette question, c'est-à-dire à essayer de calculer euh, par la méthode des rectangles, avec des rectangles à droite et trois subdivisions non identiques, de l'aire euh, de la portion de plan qui est comprise entre la courbe de la fonction g, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 5. Alors à toi de jouer et on se retrouve tout à l'heure pour le faire ensemble. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va voir ça ensemble. Et ce que je trouve pas mal ici, c'est d'essayer de faire un petit dessin. C'est toujours assez pratique, on n'en a pas vraiment besoin, mais c'est quand même toujours utile d'essayer de représenter ce qu'on cherche à faire. Donc voilà, ici j'ai mon repère. Alors je vais placer les points que je connais. En fait, la seule chose que je connais de ma fonction, c'est les valeurs de la fonction pour x égale moins 1, 0, 3 et 5. Donc, je vais prendre, alors, euh, les valeurs de x vont de moins 1 à 5. Donc, ici, on va dire que c'est moins 1. Ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, donc, ça, c'est 5. Hein. 3, c'est ici. Voilà. Et puis, j'ai le 0 qui est là. Alors, ensuite, g de x, les valeurs de g de x vont de... 1 à 10. Donc ici je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ici c'est donc 10. Voilà. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis 7, 8. Et maintenant, je vais placer les points donc, que je connais. Je sais que la courbe de la fonction g va passer par le point de coordonnée moins 1, 10, donc moins 1, 10, c'est ce point-là, ici. Elle va passer aussi par le point de coordonnée 0, 6, donc c'est ce point-là. Ensuite, par le point de coordonnée 3, 1, donc, qui est celui-ci. Et par le point de coordonnée 5, 8, qui est donc, voilà, ici à peu près. Voilà, je fais quelque chose d'assez approximatif. Hein. C'est juste pour visualiser un petit peu ce qu'il se passe. Et évidemment, j'ai n'ai aucune idée de ce que fait la courbe de G. Hein. Elle pourrait par exemple faire quelque chose comme ça. Voilà. Assez simple. Mais il se peut qu'elle fasse aussi quelque chose de complètement différent. Peut-être qu'elle arrive comme ça et que là, elle oscille. Ah non, alors ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une fonction puisque je reviens en arrière mais elle peut osciller comme ça. Voilà, quelque chose de très compliqué. Enfin, j'ai aucune idée de ce qu'elle fait exactement. Mais tu vas voir que ce n'est pas très important. En fait, on va se servir uniquement des données du tableau. Justement, maintenant, on va voir... Comment est-ce qu'on peut faire ça Donc j'enlève la courbe qui ne nous intéresse pas. Et ce qu'on doit faire, c'est utiliser la méthode des rectangles avec des rectangles à droite et trois subdivisions non identiques pour déterminer une valeur approchée de l'air qui est située sous la courbe de G, que je ne connais pas, et au-dessus de l'axe des abscisses, sur l'intervalle 5, c'est-à-dire entre les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 5, alors je vais matérialiser ces droites. Donc x égale moins 1, c'est ça. x égale 5, c'est cette droite-là. Donc imagine la courbe qui passe quelque part par tous les points qui sont là. Et on doit déterminer une valeur approchée de l'air qui est sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses, entre les deux segments bleus que je viens de tracer. Alors pour ça, on va utiliser la méthode des rectangles à droite, on nous dit, et trois subdivisions non identiques. Alors la méthode des rectangles avec des rectangles à droite, eh c'est ce qu'on appelle aussi une somme de Riemann à droite. Hein. Alors ici on nous dit qu'il y a trois subdivisions non identiques. Donc ça c'est pas mal. Déjà ça nous rappelle que la méthode des rectangles, donc la somme de Riemann, ne se fait pas forcément avec des subdivisions identiques. Hein. Et ici on a des subdivisions qui sont assez évidentes à prendre. Il y a déjà l'intervalle entre moins 1 et 0, celui-ci, qui a donc une amplitude de 1. Il y a cet intervalle-là entre 0 et 3. Et puis enfin cet intervalle-là entre 3 et 5. Hein. Voilà, si tu veux, je peux matérialiser donc les rectangles sans les construire complètement. Je vais avoir un premier rectangle ici construit au-dessus de l'intervalle moins 1, 0, un deuxième construit au-dessus de l'intervalle au 0, 3, et puis un troisième construit au-dessus de l'intervalle 3, 5. Alors je précise ici quand même que, euh, a priori on aurait pu faire trois subdivisions non identiques complètement différentes, mais en fait on n'a pas vraiment le choix puisque on est obligé d'utiliser le, le tableau de valeur qui est là, qui est la seule chose qu'on connaît. Et donc les trois subdivisions en question, eh bien, elles sont imposées par ce tableau de valeur. Alors maintenant, quel rectangle je vais construire Eh bien pour ça, il faut utiliser le fait qu'on va construire des rectangles à droite. Hein. Donc on va prendre comme hauteur des rectangles l'image par la fonction des extrémités supérieures de nos intervalles. Donc pour ce rectangle-là au-dessus de l'intervalle moins 1, 0, eh bien, je vais prendre comme hauteur l'image de 0, qui est la borne supérieure de l'intervalle. Donc, ça va être cette hauteur-là. Donc, voilà, mon premier rectangle, il est ici. Voilà. Ensuite, le rectangle qui est au-dessus de l'intervalle 0, 3, eh bien, euh, il aura pour hauteur l'image de 3, c'est-à-dire cette hauteur-là. Voilà. C'est-à-dire 1. Voilà mon deuxième rectangle. Et puis le troisième rectangle, construit au-dessus de l'intervalle 3, 5, eh bien, il aura pour hauteur la valeur de la fonction en x égale 5, donc c'est cette hauteur-là. Donc voilà, je peux tracer mon troisième rectangle qui est ici. Donc voici l'aire, en fait la valeur approchée de l'aire que je cherche à, à, à estimer, c'est la somme des aires de ces trois rectangles. Alors le premier rectangle qui est là, son R, c'est la base fois la hauteur. donc c'est 1 fois 6. 1 fois 6 ça fait 6. Et puis l'aire de ce rectangle-là eh c'est base fois hauteur toujours. donc c'est 3 fois 1, donc c'est 3. Et puis enfin l'aire du troisième rectangle qui est ici, eh c'est la base qui est égale à 2 fois la hauteur qui est égale à 8. Donc l'aire de ce rectangle c'est 16. Donc finalement, la valeur approchée de l'aire du domaine qu'on obtient avec cette méthode des rectangles à droite et les trois subdivisions qu'on a choisies ici, eh c'est 6 plus 3 plus 16. Alors 6 plus 16, ça fait 22, plus 3, 25. 25, donc ici exprimé en unité d'air.